tout le monde, ici Lupina en direct des Sims 4. Donc je voulais vous montrer la recréation d'une maison en fait que j'avais déjà faite. C'était l'ancienne maison de mes 4 petites colocataires que je joue pas souvent. Donc j'espère qu'on les verra plus dans l'histoire de Sims 2. Alors en fait j'avais pas filmé au début et puis je me suis dit que ce serait peut-être intéressant pour vous de voir. Donc vous verrez en fait à la fin de la vidéo, je vais vous mettre une image de avant comment c'était et après, puisqu'en fait au début j'avais supprimé cette vidéo genre en fait, on s'en fout machin enfin on s'en fout quoi, et puis je me suis dit finalement si je la si je refaisais l'intérieur ça pourrait être intéressant pour une famille, pourquoi pas. Et il y a un chat qui miaule, je crois que c'est Ecstasy. Peu importe. Donc alors là je fais l'entrée, donc j'essaye de vraiment déposer plein de bibelots, plein de trucs. J'ai un petit peu galéré, comme vous pouvez le voir, à mettre des objets en l'air. Donc j'avais vraiment envie de faire une entrée assez chargée, assez sympa. Et si vous entendez ronronner, c'est normal, j'ai le chat sur mes genoux. Il ronronne fort en plus. Donc ici on attaque la chambre des parents avec un dressing personnalisé. Alors j'ai un peu galéré pour ce dressing. Hein. Franchement c'est pas évident. Et comme vous allez pouvoir voir, je vais mettre beaucoup de jaune puisqu'en ce moment j'ai envie de jaune. Donc je ne sais pas pourquoi. Il y aura beaucoup de jaune, vous verrez bien. Finalement je décide d'enlever les fenêtres et les murs parce que ça me gêne plus qu'autre chose au final. Et attendez. Hop, le chat veut partir, c'est génial. Donc là, bah là je rajoute des étagères, je rajoute des petits bibelots, des chaussures, des chemises, du parfum. Enfin, je voudrais vraiment tout mettre qui fasse genre c'est un. Oula, ça se bat. Comment faire quelque chose qui fait style que c'est un dressing donc. Je rajoute des petites bougies, là je mets du matériel, un peu de tout pour nettoyer, des petits trucs, vraiment pour combler les vides en fait. Parce que je n'ai pas d'objet téléchargé. Là je rajoute des vêtements, je me suis dit à la place de mettre les meubles ce serait peut-être mieux. Et je remets mes fenêtres. Ici je vais faire un petit coin un peu original, enfin je trouve. En fait je mets une table de nuit et je décide d'en mettre plusieurs les unes sur les autres pour faire un petit meuble. Le souci c'est que je crois que c'est dans cette maison ou dans une autre, je sais plus, mais en fait ça a dû me supprimer les plantes que j'avais mises. Je sais plus si c'est celle-là, je ne sais plus. Donc je mets aussi un petit meuble. Comment ça s'appelle? Un petit meuble de... Bah, une commode, voilà. Une commode et puis un petit miroir. Je mets le lit tout de même. Je galère un petit peu à le mettre, n'est-ce pas? Mais je vais y arriver, je crois, je sais plus. Je décide de mettre des nénuphars par terre. Je me suis dit, tiens, ça pourrait faire sympa comme tapis. Alors, je sais pas si ça va marcher puisque j'ai encore joué avec aucun Sims dedans. Donc, j'ai pas testé. Donc, peut-être qu'ils vont partir si les Sims ne peuvent pas marcher dessus ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que c'était original, hein. Personne n'y avait pensé, enfin j'ai jamais vu ça dans une autre vidéo, peut-être que ça marchera pas, j'en sais rien. J'en remets dans la salle de bain, je décide de changer le lit, puis en fait non. C'est magnifique, je rajoute des tapis, puisque les tapis c'est la vie, ça meuble vraiment une pièce. Je dis ça alors que chez moi j'ai aucun tapis. Grouga, c'est mon sac. Il vient de se jeter sur mon sac, c'était magnifique. Alors la cuisine je vais bien galérer à la faire. Je voulais faire une cuisine originale qui change des cuisines que je fais d'habitude. Et puis au final vous allez voir c'est pas... J'en suis pas particulièrement fière. Mais bon bah, elle est très grande je trouve. Elle est peut-être un peu trop grande. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. De toute façon, vous me direz tout ce que vous voulez dans les commentaires. Hein. Moi, j'adore les commentaires, donc faites-vous plaisir. Je rajoute une poubelle, c'est bien. Des plantes pour meubler un petit peu.
Alors, je crois pas avoir mis, plus d'objets dans la cuisine pour le moment. Je sais plus ce que j'ai fait. Donc là, je rajoute des fenêtres parce qu'une maison sans fenêtres, bah, c'est pas une maison en fait. Là, j'en rajoute plein pour faire un petit peu une véranda ou ce genre de choses. Et là, je m'attaque à la télé et enfin, au coin télé. Donc, je vais aussi galérer un peu. Vous verrez bien, hein. Je galérais parce que je trouvais pas les couleurs. Ensuite, j'ai voulu mettre un bar, puis il n'y avait pas de place. Enfin, le bazar. Le bazar. Je mets une cheminée, voilà. Je mets du jaune, hein. Je vous avais dit qu'il y aurait du jaune, donc je ne vous ai pas menti. Va y en avoir encore un peu. Je recule les canapés. Je crois que je vais mettre des tapis un moment. Là, je m'étais dit, tiens, je vais mettre l'ordinateur, là, là, là. Et l'ordinateur ne va pas rester là. Il va changer de pièce. Alors là, je voulais mettre des choses pour les massages, puisque comme d'habitude, j'ai envie que mes Sims profitent du pack spa. Sauf que j'y joue jamais, en fait, je fais jamais de massage, je fais jamais de yoga, etc. Et c'est bien dommage, du coup, bah, j'essaye d'en mettre un peu partout dans ma maison pour dire, eh tiens, il faut que tu fasses ça. Et j'y pense pas souvent, ou alors ça marche pas, ou alors il y a toujours un truc qui fait que je peux pas profiter de cet add-on. La salle de bain, donc je décide de placer un carrelage sombre sur le sol et clair sur le mur. La cuisine, je fais un damier, mais en parquet. Qu'est-ce que vous faites, les chats? Je suis navrée pour le bruit qu'il va faire en fond. À chaque fois que je fais une vidéo, bah, ils font les fous. Ma voix doit leur dire eh, c'est le moment de faire des conneries. Je sais pas. Je rajoute la lumière. Je rajoute des lumières partout. Sinon, on ne voit rien. C'est pas très intéressant. Donc là, je remets mon papier peint. C'est un papier peint un peu vieillot, je l'admets, mais bon. Là, j'ai décidé de mettre du rouge pour aller avec le jaune, n'est-ce pas? Dans l'entrée, je mets un petit tapis vert. Je sais plus s'il va rester. Et là, je mets un autre tapis. Mais finalement, j'en mets encore un autre parce que il ne me convient pas. Dans le couloir, j'essaye de faire une traîne de tapis. Enfin, je sais pas si vous voulez un tapis central, si vous préférez. Bon, c'est pas le plus joli truc que j'ai fait dans cette maison entre nous, hein. Mais bon. Donc ensuite, il me reste deux pièces. Enfin, trois. Je rajoute des tableaux un petit peu partout, des miroirs, des petits objets de déco, puisque pour moi c'est important la déco. Là, j'essaye de mettre une statue, mais c'était pas très concluant. Donc, des tableaux toujours. Finalement, je m'attaque au papier peint des chambres. Eh ben non, je retourne dans la cuisine. Tout va bien. Oui, je jongle un petit peu en fait. Moi, quand j'ai plus d'inspi dans une pièce, je passe à une autre, et puis etc. Donc, j'ajoute quand même quelques objets dans la cuisine, histoire de. Alors, je m'attaque ensuite à ce qui sera le bureau. Donc, il va changer aussi. Je sais plus trop comment ça va finir cette histoire de pièce là. Je mets un aquarium parce que les aquariums c'est cool. Et là, je mets des petits fauteuils de couleur. J'ai vraiment envie de couleur, mais je voulais rester dans la pastel pour pas faire trop. Je mets un tapis de yoga. Voilà, puisque encore une fois, j'ai envie de jouer avec le spa. J'y arrive jamais. Je rajoute un petit tapis pâle et un petit noir sous l'échiquier et un petit noir près de l'aquarium. Enfin, vous voyez, hein, vous n'êtes pas aveugle. Ici, je vais faire une salle de jeu pour mes enfants. Plus tard, je ne sais pas ce que ce sera, peut-être une salle de sport, je sais pas. Donc, je décide de mettre des peluches et plein de jouets un petit peu partout. Pour vraiment faire salle de jeu, que ce soit pas rangé. Enfin, les salles de jeu, c'est pas censé être rangé, hein. Moi, si j'avais une salle de jeu quand j'étais petite, mais j'y passerais ma vie, j'y aurais passé ma vie, et puis c'est tout. Donc, je rajoute des petits tapis. J'avais jamais remarqué ce tapis coccinelle, donc du coup, ça m'a fait plaisir. Là, je décide de mettre un bonhomme rouge et une femme bleue pour casser les codes, parce que les codes, ça me fait chier. Voilà, c'était très poétique. Puis, je retourne mettre de la déco dans mon bureau. Comme je vous ai dit, je jongle, hein, moi j'adore jongler. Je mets d'autres décos dans le couloir pour pas faire trop vide. Et là, j'attaque la chambre des petits.
Et je me suis dit, mais attends, il n'y a pas de salle de bain, c'est pas possible, ça, ils vont pas aller se toucher dans salle des parents, dans salle des bains des parents, donc je fais une petite salle de bain. Là, je fais un petit coin bureau, quand même, qui bosse. Donc, il n'y aura vraiment pas de jouer dans cette chambre. C'est vraiment, si vous voulez jouer, vous allez dans la salle de jeu. Et puis, c'est tout. Je rajoute une petite lampe, histoire de combler le vide, n'est-ce pas? Et une petite plante. De la déco, toujours de la déco, encore de la déco. Mon Dieu, ça fait trop de déco. Je voulais mettre un miroir, mais... il n'y avait pas ce qui me convenait, puisqu'en fait la commode est très basse par rapport au miroir, du coup je trouve que ça fait bizarre. C'est comme si t'étais tout petit et que tu mettais un miroir super haut. Donc voilà, donc c'est fini.